et bienvenue sur Games 2A TV une fois de plus. Nous sommes avec Antoine 2A, Alexandre 2A et Jekt 2A. Salut. Enfin, je sais pas s'il y a un 2A, mais. Non, il n'y a pas. Non, y a pas. Maintenant, tu l'as. Et Gordon 2A, comme d'habitude, pour vous servir. Alors, pour une vidéo très spéciale, parce qu'on va pas parler jeux vidéo, ou très peu, ou peut-être qu'il y aura des petites références, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas regardé. Parce qu'on a reçu donc deux colis de chez Candy-san. Candy-san. Hein, donc, une boutique en ligne. Qui vend des saloperies japonaises. C'est pas bien de dire ça. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils font pas que des saloperies. Non. Et on va voir. On va voir. S'ils font pas que des saloperies. On va voir déjà. Et on va voir tout ça dans ces deux colis. Hein, peut-être qu'on en fera qu'un si je cherchais le seau pour vomir. Et on se retrouve de suite après le générique. Générique. Voilà, nous revoilà donc pour cette dégustation. Enfin, cette dégustation un peu à l'aveugle, pas à l'aveugle, je sais pas trop. Qui a fait ses études de kanji ici? Personne? Non, non, pas encore. Qu'est-ce qu'on leur apprend à ces jeunes à l'école? Du latin. Ouais, ça ah, c'est pratique chose. Pour aujourd'hui. Ah, ouais, critinum. C'est moi qui prends en premier et après je passerai le colis. Ouais. Soyons fous. Alors, qu'avons-nous ici? Oh là là, cheddar cheese. Alors, je ne savais pas que les Japonais connaissaient. Hein. Donc on va les montrer comme ça au fur et à mesure. Ça a l'air d'être des snacks, je dirais, au cheddar. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, mais ici, quelque chose me dit que... Taste. Bon, ça a seulement le goût, ça veut pas dire qu'il y a vraiment du cheddar là-dedans. On a pris des petits verres de limonade, enfin de jus de pomme, coca. Pepsi, jus de pomme. Ouais, ouais, ah, on sait jamais. Pas de marque. Non, t'as dit Pepsi. Allez, on est obligé de dire coca. Qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? Corsica-Cola. Corsica-Cola. Oh. Braise Cola, bon ok. Oh. À qui vous en prenez? À ce point-là. Antoine qui adore le fromage. Non, ça va, ça sent normal. Ouais. Ouf. Non. 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 Bon, je vous en prenez. Ça sent pas le fromage. Enfin. Est-ce que c'est périmé au moins déjà? Non, non. Mais ça ressemble. Même pas. Alors, même si on a mis plus d'un mois pour recevoir les colis, hein, bon. Je pense pas que ce soit périmé pour autant. Oh là là. Y'a pas de goût. Ah ouais, c'est pas dégueulasse. Hein. Y'a pas de goût. Direct tomate. Si, il y a du goût. Direct tomate, c'est pas fromage. Hein. C'est pas mauvais. Mais dire pas du fromage. Non, c'est un bon goût d'apéro. Pas... Ouais, ça a pas un goût de fromage, mais c'est un bon goût de chips apéro. Ouais, ouais, ça passe. Ça passe vraiment. Ouais. Ça passe. Des chips normales. Arrête. Bon, ça c'est. Ah. Aucune idée. Oh. Alors, pour ceux qui sont fans d'Antoine Daniel, je pense qu'ils vont reconnaître assez aisément ce que c'est ça. Les fameux chocoballs Chocomoru. Pour ceux qui ont la référence, ça devrait pas être trop compliqué. On va dire c'est grosso modo du M&M's. Pour le coup, bah, ça ressemble... Bah, ouais, on dirait du M&M's avec... ouais, c'est ça, un peu Malteser, mais en version Jap. Alors... Bon, par contre, niveau quantité, faut le savourer. Hein. Ouais, là, c'est vraiment pas la peine de le mettre. Faut être généreux, je pense. Hein. C'était pas la peine de mettre un sac refermable. Parce que je pense qu'on n'aura pas l'occasion de le refermer. Là. Par contre, si tu pouvais avoir l'occasion de refermer, t'as dit. Ouais. Je sais que tu voulais le dire. Ça sent le caramel. Bref, c'est croquant, mais en fait. Mais en fait, on s'attend à ce que ce soit croquant comme un Malteser. Mmh. Mais en fait, c'est mou dedans. Mais en fait, tu as une couche très épaisse de chocolat, en fait, de ganache de chocolat. Si t'aimes le chocolat, ça passe. C'est pas hyper sucré, mais le caramel a quand même un goût bizarre. Hein. Ouais. On dirait pas. Ouais, non, ça peut pas être caramel. C'est pas foufou. Ça me rappelle. Ça sent le caramel, pardon. Ça me rappelle le caramel que tu trouvais, tu sais, les petits carrés de caramel que tu trouvais dans la glace carte d'or. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ah non, pour le coup. Carte d'or, j'ai rêvé. Mais tu sais, il y avait les bonbons caramel, tu sais, un peu caramel beurre salé que je mangeais quand j'étais gamin, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ceux qui te cassaient les dents à chaque fois. Au suivant. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore gerbé. C'est alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? On voit un calamar, on voit une abeille. Oh, alors, c'est plat comme un paquet de jambon. Ouais. C'est du jambon. Je dirais plat comme les algues. C'est du calamar à l'algue, je pense. Oui, c'est du jambon de calamar. Je sais vraiment pas. Tu goûtes le premier exemple. Tu veux les ciseaux? Allez. Je crois que celui-là, on va pas le refermer, on va y goûter. Je crois qu'on va vraiment. Je vais jeter. Alors, prends le seau. Il y a du liquide. On a le seau. Ah, il y a du liquide. Oh, ça pue. Le défi, c'est quand même de tout goûter. On est d'accord? Mais pas de mourir. Vincent. C'est la même.
Bon, dis-toi, alors, tu l'as ouvert. C'est vinaigré, je vous préviens. C'est... Oh mon dieu. Oh, purée, c'est vinaigré. Pardon. Je bois avant. Donc le seau est du côté droit. Ok, mais au pire, il y a un balcon. Hein. Ça fait mal aux yeux. Pardon pour les voisins du dessous, mais tu leur passeras le bonjour. Vas-y, montre légèrement. C'est... Oh, c'est magnifique. Oh putain. Ah, t'as touché, tu manges. Ouais, je mangerai. Oh, ça sent de là. Oh, on dirait les produits. Oh, ça pue vite. On dirait le truc qu'on fait pour attirer les abeilles et les tuer. On dirait un attrape-mouche, tu sais. Ouais, mais celui-là, ouais, t'as pas le choix. T'as pas les gouttes. Celui-là, c'est, en fait, ça les fait fuir, les Ah, c'est... Ah, arrête, crache pas à l'écran. Il y a des gens qui pourquoi pas, moi mangez pas. Ça veut quoi du bout des dents, hein, je dégueulasse. Ah ouais, je prends là. Mais putain, mais moi déjà les produits de la mer, je peux pas. Non, mais ça pas le goût. Tu sais quoi? Alors attention, c'est pas dégueu, c'est surprenant. Vas-y, dis-moi une référence à quoi ça ressemble. Mais c'est dégueu par contre. À quoi ça ressemble, comme ça je. Attends, je goûte, on va te dire. Vas-y. Ça ressemble à du vomi. Non. Ah, ça ressemble à ta. Ouais. Bon, est-ce que tu vois cette salade de poule qui est restée sur un balcon pendant X temps, au soleil, dans un bain-marie? Mais bon, déjà, je vois une salade de poulpe, je m'éloigne. Bah, ça a le goût du poulpe, enfin du poulpe. Du poulpe chimique. Je peux pas. Vas-y. Mais tu retraches dans le seau, tiens. Tiens, le seau, il est à côté. J'ai rien pris comme goût, attends. Tristesse, colère, le déni. La dégueulasse. Suivant. Next. Allez, c'est à toi. Ah! J'ai voulu regoûter pour voir, mais en fait, c'est vraiment pas bon. Il faut jamais. Mais lance ça, putain, j'ai plus de par terre. La première impression est souvent la meilleure. Oui. Tu regoûtais? Non, je vais le remettre dedans. Je crois que celui-là, on va pas le refermer. Hein. J'ai encore le goût au fond, c'est horrible. Attends, Mais comment? Mais y en a qui mangent ça comme ça. Mais j'ai encore le goût au fond. Ah, j'ai encore l'odeur sur les doigts. Moi aussi, t'inquiète. Là, on va passer sur un truc qui a l'air un peu plus fin quand même. Hein. Bon, voilà. Pas de mauvaise surprise, je pense. C'est un goût de pizza japonaise. Non, ça a l'air rassurant. Ça part d'un bon sentiment. Tiens, enlève-toi ce goût de poulpe de la bouche. Vas-y, tiens. Bon. Ça remonte un peu le moral? Oui, ça remonte beaucoup le moral. En tout cas. Ouais, ça ressemble à des chipolatas. J'en prends volontiers. Ouais. Moi aussi. Là, celle-là, non, elle passe très bien. Du poulpe un peu. Ah, j'ai dit Lay's. Pas tout de suite, je vais le laisser. J'ai dit Lay's, faut dire Flodor. Pringles, si tu veux. Allez, c'est bon, ça suffit. Calvi? Calvi. Ah, ça vient de Calvi? Ils les font à Calvi? Ah, Calbi. À qui le tour? Écoute, ça c'est pas mal pour l'apéro. Oui, ça c'est bon, ça passe. Ouais. C'est pas très original, faut dire, mais ça passe. Pourvu que ce soit pas la boule noire. Alors. Un jeu vidéo. Splatoon. Qu'est-ce que c'est? À l'effigie de Splatoon 2. Je dirais un liquide. C'est du slime. Ah, qui se mange? Oui, il y a déjà. Peut-être brûler, ils font des fois. Ah, ça va être bizarre. Des fois, c'est bon. En tout cas, le packaging est beau. Ils font de la belle pub, ça. Vu contrairement à nos packaging français. Ah, il y en a peut-être même 4. Ah, et oui. Oh putain, c'est random. Bah, alors. C'est pas un truc à préparer. Oh, et avec un petit autocollant Switch. Et... Ah, par contre, la matière, c'est, c'est gélatineux. Mais c'est bien, ça fait référence au jeu. C'est gélatineux et tout. Alors, qui veut le vert, qui veut le rose? Moi, je veux le rose. Je prends le vert, allez. Bah, il y en a 4. Il y a que 2 roses, de toute façon. Alors, il y a le petit ouverture facile. Par contre, c'est vraiment bizarre comme texture. C'est gélatineux en fait. Ouais, c'est presque du slime, ouais. C'est slime, on dirait un chewing gum. C'est du bonbon gélifié. Ouais. Ah ouais? Mais en vrai, c'est pas, moi, il est pas mauvais. Mais un peu liquide, quoi. C'est rigolo. Ouais. Là, c'est la texture qui est intéressante, on n'a pas l'habitude. On dirait que c'est liquide, mais non. Wow. Hein, pas mal, hein. Ah, c'est surprenant. Ouais. On est plein de Ah ouais, ça... Pour moi, c'est un goût de coca, le vert. Moi aussi. Exact. Ça a une saveur de coca, mais ouais, c'est même. Ouais, en fait, c'est pas trop citronné, c'est pas trop acidulé. Coca citron, en fait. Aussi. C'est pas mauvais. Bravo Nintendo. Pas pour le coup. C'est commercial et c'est bon à la fois. Le packaging est beau. Je garde l'autocollant. Hein. Et ça ne coûte que quelques yens, donc bravo. Et c'est bio. C'est rigolo. Et en plus c'est périmé, super. Quand même. Bon, tu finis avec ta gélatine. Allez, Antoine, vite. Tu vois pas qu'ils s'emmerdent là, ils vont zapper chez Rétro Jeux. Alors, à qui le tour? Antoine. Non, perdu. Non, non, du bœuf séché, on dirait. Du bœuf séché. J'ai toujours voulu goûter ça. Du bœuf de Kobe. Rien. Non, ça c'est interdit. Interdit maintenant. C'est pas bien ça. Il y avait l'ouverture facile. Pourquoi tu coupes pas l'ouverture? La viande là. T'es malade. Ouais, c'est pas grave. Un malade. Bon, à mon avis, il n'y a pas l'équivalent d'un steak chacun là. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, c'est moins sec que le bœuf séché qu'on trouve aux États-Unis en général. C'est bon. C'est bœuf séché quoi. Ouais. C'est bœuf séché. Ça passe très bien. C'est bon.
hein, encore. Écoute, pas de goût dégueulasse. Bon, l'enchaînement sucré-salé, quand même, il est dur. Hein. Ouais, ouais. Mais le truc, on... c'est bon. Et bon, pas trop gras. Écoute, c'est sympa. C'est pas mauvais. On enchaîne. Ah, c'est ça. On aurait dû même faire un système de notes, non? Ben, au début, je voulais faire un truc comme ça, mais pour challenge pack en fait. D'accord. Ouais, t'as raison. Là, le good pack, on va dire qu'il y a. C'est pas trop, mais trop vilain dans l'ensemble. Dis-moi que c'est good, ça, je te frappe. Dis-moi que c'est good, ça. Dégueulasse. Déjà, il y a écrit. Fried chicken. Donc, poulet frit. Des poulets frits, je pense. Ah, je m'attendais pas à ça, par contre. C'est. C'est des boulettes de maïs, c'est pas dire. On dirait. Bah oui, mais. Du miel Pops. Ah, c'est. Pas mauvais, hein. Mais ça n'a pas le goût du tout du poulet. Ouais, ou les, oui. Les snacks au maïs premier prix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça l'est déjà. Ça n'a absolument pas le goût du poulet. Ouais. Non, pas du tout. Mais c'est pas mauvais. À mon avis, ouais, il n'y a même pas 1% de poulet là-dedans. Enfin, il y a un goût, ouais. Qui rappelle, ça peut rappeler. Ça peut rappeler le poulet, en fait. Poulet frit, peut-être. Ah, c'est peut-être poulet frit. Mais c'est pour ça qu'ils ont écrit fried chicken, non? Ah, bravo. Je le savais. Génie de la famille. Mais c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. Allez, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. La même chose. Mmh, ben, on a encore un truc qui ressemble à des boulettes pizza. Encore une fois. Très américanisé en tout cas. Donc, ben, très américain. C'est vrai. Hein. C'est fou quand même. On commande du snack japonais pour goûter japonais et on bouffe un snack avec saveur pizza à l'italienne. Quoi. C'est comme quand tu vas en Asie pour te faire de la pizza. Quoi. Ça nous intéresse pas. Et on a presque l'impression qu'ils font ça plus pour les occidentaux comme nous. On n'est pas le même fabricant, mais tu peux deviner quand ouais, même. Hein. Ouais, c'est, ils ont utilisé la même machine. Alors franchement, plus le si goût. Tu arrives à me faire un distinguo entre ça et ça, moi j'y arrive pas. Mais en vrai, il y a peut-être qu'on a bouffé trop de saloperies, mais. Non, mais si. Ça se voit un peu quand même, c'est différent. C'est pas tout de suite, bizarre, après. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, à balle. Oh non. Il y a un poisson dessiné derrière, alors ça me fait peur déjà. T'imagines, c'est de la gelée de poisson. En fait, on dirait des bonbons à composer. Tu sais, il y a deux couches de bonbec. Oula. C'est vraiment pour les enfants. C'est des médicaments. Tiens, prends le scalpel. Enfin non, c'est rouge ou jaune, c'est pas les deux en même temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce guac? Tu as la couche de riz et la couche d'autre chose. La couche de gélatine. La couche de gélatine. Il y a goût de pomme, banane. Citron et banane. Oh, j'espère qu'il n'y a pas poisson. Alors je sais pas, alors par contre, les riz restent collés. Comment dire? Un peu fondu. Bon, je mange tout le blanc moi du coup. Mais bon. C'est la chenille. Hein, là. Vous avez vu mon sushi? Ah ouais, sushi bonbon. Waouh, vous avez jamais vu ça. C'est plutôt rouge. Ouais. Ça goûte quoi? Ouais. Une goutte bonbon gélifié quoi, les nounours. Haribo. Donne-moi une marque bonbon fruité là. Muti. Attention, si tu veux, on appelle les pompiers. Allez, c'est bon. C'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est tellement petit. On va dire c'est. La cuisine moléculaire. C'est rigolo. C'est pour les enfants, c'est rigolo. Écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Regardez si vous voyez ce packaging à l'occasion dans une épicerie ou autre. C'est pas vous pouvez y aller, voilà. Ça a le goût des nounours en gélatine. Ouais. À offrir aux enfants qui aiment bien. Il faut avoir du temps pour le faire déjà. Et un scalpel, c'est important. C'est très important le scalpel. Gélatine. Merci pour ton analyse. Belle analyse. Voilà. Merci pour ton. Quelle pertinence. Et j'ai un goût de citron un peu. Parce que j'ai pris un truc de citron. Oh. Ah. Ça me plaît. Ça me plaît. Le packaging est magnifique. Il y a un chocolat est très beau. Ouais, on croirait que c'est suisse. Ouais, Melty Kiss. Melty Kiss. Ouais, qui a déjà été ouvert que les mecs ont déjà mangé avant nous. Ouvre-le. On dirait les trucs cerises à mon chéri. Les suchards. Les suchards. Alors, mon chéri, suchard. Attends, déjà, moi, j'ai. Donc, c'est à la fraise, hein, manifestement. Ah, c'est comme des petites truffes, ouais, regarde. Des truffes, ouais. C'est des truffes carrées. C'est bizarre, quand même, hein. Pas excellent. Pas dégueulasse. On sent le chocolat. On sent la fraise. On sent le petit côté crémeux. Et c'est pas ignoble. Non, ça se mange. Moi qui aime pas les trucs avec chocolat et autres fruits, j'aime bien. Ah, merde. Allez hop, à moi. C'est à moi. Ah, c'est à lui. Pardon. Bon, j'ai tenté. Hein. Ah, On va manger des femmes. Ah, c'est une gaufre géante. Avec une carte. Oui. Carte à la collectionner. Ah, elle. Oh purée, j'avoue. Faire la collecte. Je l'avais pas. Ceci est ma gaufrette. Non, ça ressemble juste à une gaufre. Et puis voilà. Une gaufre au chocolat. Est-ce que ça méritait tant de tralala ce truc, vraiment ça? Non, ouais, la carte machin, le design de folie. En plus ça se mange en deux secondes.
Bah, tous les packagings sont beaux. Tu as soit du vernis métallisé, soit du... Bon ben voilà, je vais pas vous faire un cours de packaging non plus. Oui, mais enfin, du coup, tu payes, on va dire tu payes plus en packaging et la carte de merde. C'est vrai qu'ils apportent quand même, mine de rien, un soin assez costaud pour tous les paquets. Et au final, pour une gaufrette, quoi. Ouais. Pour une gaufrette, oui. En fait, tu achètes surtout les... Ouais, mais c'est ça. Tu achètes le... Allez, hop. Oh, wow. Un cornetto. Qu'est-ce que... Oh, mon Dieu. Alors, c'est fondu. Giant Calypso. Ça fait peur. C'est une glace, je alors, pense que c'est mort. Hein. Ça, le visuel vous montre une glace, en effet. Ça a l'air d'être de la mousse. C'est assez léger. Une mousse. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la gaufre. Alors, ça m'inspire vraiment. Pas confiance du tout. Alors, allez, goûte-toi. Au-dessus, on dirait une mousse de chocolat. Non, moi, le scalpel, plutôt. On dirait qu'il y a du chocolat. Enfin, sur les mains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça s'est tombé. Tu vas faire crever un œil aussi, mais tout va bien. Attends, parce que là, couper, non, comment se couper, c'est impossible. Tu vraiment une opération chirurgicale. Tu peux fermer ta gueule. Il y a un truc noir dedans. Il y a une sale odeur de framboise ou de je ne sais quoi. Ouais, mais il y a un truc de chimique. C'est en fait une mousse dure de chocolat. Je sais pas comment te dire. Ouais, ouais, genre un chocolat émulsionné en fait. C'est une mousse dure de chocolat blanc. Ouais. Oui, il l'a goûté déjà. Ça offre une texture un peu originale, du coup, hein, pour le chocolat, quoi. En fait, c'est du chocolat, mais aéré. Mais c'est ça. C'est pas mal, hein. Mais on dirait un vrai cornet, en plus. Ouais. T'as un vrai cornet. Ils sont forts, ces Chinois. C'est japonais, quoi. Allez, quel raciste. On va s'en prendre plein. Allez, portez plainte, est-ce que vous voulez. C'est pas ignoble, hein. C'est du chocolat, mais très, très léger en bouche, en fait. Ce sera coupé au montage, ça, si tu veux. Fâcheuse maladresse. Alors, là, ben, on a très clairement du DBZ, hein, le main, l'indétrônable. Très très beau au niveau du packaging. C'est vraiment... C'est claqué au sol. C'est un petit bonbon gélatineux. Ben, il y en a qu'une, tu vois. Donc, scalpel. Et du coup, j'ai une boule. De cristal. Ah, un bol de cristal. Imagine, tu dois les collectionner, tu fais... Autant il est collector, mais on rigole. Autant si tu as les 7, tu invoques Shenron. Hein. Le et en plus, il y a une petite carte dedans, donc je pense que c'est compatible avec le jeu mobile du même nom. Non. Les coups, parce qu'ils ont sorti un petit jeu mobile où tu peux, je pense, rentrer tes cartes. Et là, pour le coup, bah, c'est Vegeta. Super Dragon Ball Heroes, oui, mais ce soir, on peut bouffer le bonbon. Oh, tu es impatient, dis donc. On va passer des heures pour le disséquer. Laisse, mange-le. Ouais, tu aurais dû le faire au ciseau, quand même. Allez, hop, ciseau. À l'ancienne, allez. Donc voilà, ce n'est qu'un bonbon gélatineux. On va voir le goût que ça a. J'imagine que c'est le goût d'orange. Voilà. Lessive. Ou gélatine. Ou lessive. Alors, monsieur propre. Taxi honnêtement. Ça a ce goût de lessive, tu sais que. Ça a le même goût de la lessive que ma grand-mère en fait. Mmh. Ça fait bizarre de manger. Non, ça plus chimique que les autres. On s'attend absolument pas à avoir un goût comme ça en fait. Le chocolat il est dedans, dans le tube. Non, non, toi c'est pas du chocolat, autant c'est du lait parce que ça a l'air. Oui, assez blanc. Du chocolat, le fourrage, excusez-moi. Oh, non, regarde, il y a un truc pour ouvrir là, regarde là. Regarde. Et moi je comprends pas, je suis des chinois, c'est bon. Oh, il y a des pointillés. Des... C'est japonais. Ah oui, toi t'es chinois. Toi. Oh, oui, je suis chinois. Bon, il y en a que deux. Enfin... Il y en a que deux, oui, mais dedans il y en a plus. Allez, deux. Un paquet. Allez, imagine un mini un paquet pour chaque truc. Tu es sûr qu'on ouvre les deux? Non, on ouvre qu'un seul. Un mini cadeau dans chaque paquet. Mais tu sais, ils sont chacun emballés individuellement. Alors. Ah bah oui, ouais, ah bah, voilà. On va aller loin. Non, bah, qui a perdu la courte paille? C'est moi qui ai la plus courte. Alors. Et... C'est comment? C'est sucré. Alors c'est du bretzel. C'est pas bon du tout dedans. Je trouve pas ça. Avec un fourrage au lait. Le fourrage est à la crème et c'est pas. Ouais, bon. Crème, lait, je sais pas. Ouais. Non, crème, moi je suis pas fan. Ou moi, crème de pas lait. Pas du tout. Allez, j'ai pris. Oh putain. La reine des neiges. Ah putain. Oh Olaf. Non. La reine des neiges. Donc là pour le coup ça ressemble vraiment à un gâchapon. Un œuf au chocolat, ouais. Mais un œuf dans le plus. Il y a un truc dedans. Ça se mange? Je sais pas. Donc ça c'est un vrai Kinder Surprise pour le coup. Ouais, je pense. C'est pas, mais s'il avale ou pas. Ça sent. Alors, qui veut croquer d'un coup? C'est un Kinder. Ah ouais, ah, carrément. C'est un Kinder. Et oui, il y a le chocolat blanc dedans. T'as le même goût que le Kinder. Attends, montre à la cam, c'est. Non, c'est meilleur le Kinder. Alors, il y a Kinder, Ferrero Rocher et du Schnitzel. T'as le même goût que le Kinder. Hein. Ah bon? Ah oui. Non, mais Kinder, c'est pas. Ouais, après, chose près. Il tente un montage, il tente le montage du Olaf. Magnifique. On voit pas. Splendide, c'est magnifique. En tout cas, on peut remarquer la qualité de construction. C'est digne des plus grandes figurines. T'as fini de t'amuser là? Oui. Bon, allez, on continue. Allez, c'est à toi. Il reste plus grand chose, non? C'est le dernier. Bon ben là, très clairement, pas de surprise. It is chocolate. Des boules de chocolat.
pense que là, on prend pas trop de risques. C'est pas peut-être du riz soufflé. Ouais, c'est du riz soufflé, je pense. Du riz soufflé, comme on avait déjà goûté ça un peu. Surtout que ça, tu prends quelqu'un comme Charlie, tu fais ça, il n'y a plus rien en fait. C'est pas. C'est du blé soufflé, je pense. Oui, c'est du blé soufflé. T'as dit que c'était du riz. C'est la même chose. C'est pas pareil. Le blé, c'est soufflé. Non, non. Le riz, c'est pas pareil. Mais ça coûte. C'est faux. Et ça coûte 500 yens. C'est... Non. Faux, ça coûte pas. On a fini. Non, c'est un sushi. Mais ça se mange pas, ça. C'est une gomme. C'est une gomme. C'est une gomme. Ah bah ils ont quand même donné un petit cadeau. Bah. Oh non, non. Oh, toi c'est une gomme pour manger, pour enlever le goût. Ah, tu l'as déballé, tu l'as pas sur ta main pour enlever le goût. Bah. C'est vrai, c'est une gomme. Ouais, c'est une gomme. À ne pas manger donc. Hein. Mais faites attention parce qu'ils mettent des trucs et c'est pas écrit clairement ce que c'est. Je pense qu'un abruti aurait déjà croqué dedans. Hein? Moi, le pain. Hein? Moi j'aurais croqué dedans. Bah, non, on va nettoyer peut-être. On fait un débarrassage. Allez. Débarrassage. Ouais. On coupe la caméra. On revient pour la partie 2. Coupe. Coupez.